Le poste de cuisinière, c'est avant tout la préparation des repas. Vous avez donc les trois repas du jour, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et aussi, une grosse partie du boulot, ça va être l'approvisionnement. Donc, gérer les stocks et aussi s'assurer qu'on ne manque de rien. Donc là, vous êtes dans la cuisine du bord. Donc pour un voilier, j'ai quand même pas mal d'espace, mais ça reste quand même un voilier, donc c'est assez restreint. Ce qu'il faut, c'est bien s'organiser. Après, bon, c'est moi qui est en charge de la cuisine, mais c'est aussi une cuisine ouverte, ce qui fait que si quelqu'un a envie de faire un petit plat et montrer sa spécialité, bien sûr, c'est possible. Ce qui fait que ça arrive quand même assez souvent que d'autres personnes prennent possession de la cuisine. Alors là, ça va être moi qui vais être en commis et qui vais aider. Et là, du coup, ça me permet aussi de découvrir d'autres recettes, là. Donc voilà. Pour les approvisionnements, par exemple, pour Polar Circle, tout ce qui est sec ou canette ou ce genre de choses, en fait, tout ça a été fait à Lorient pour toute la durée du tour. Ça veut dire que on arrive déjà rapidement à des quantités assez impressionnantes et tout est stocké sur le bateau. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de placard, il n'y a rien. Du coup, on va stocker ça où on peut. On va stocker ça sous les banquettes du carré, mais également sous les lits. Donc, pour tout ce qui est sec ou même boisson, tout ça est acheté et calculé pour toute la durée du séjour. Dans les escales, par contre, on va se réapprovisionner en viande et en légumes.